tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Alors on se retrouve, Ice Cream et Marek, pour un petit duel de booster Kaladesh. Voilà, donc en fait il nous restait trois petits boosters comme ça, en fait, qui avaient été pris juste pour faire un duel. Donc écoute, je vais te laisser choisir les trois tiens, moi je prendrai les trois qui restent. Et on va voir lequel de nous deux ouvre les meilleurs trucs quoi. Ok, alors je vais prendre celui-là. Normal. Puis je vais prendre celui-là. Et t'en faut trois. Il m'en faut un troisième, zut. C'est ça. Ah, bon bah voilà, celui-là. Ok, bah écoute, on va ouvrir simultanément, je pense. Donc on va commencer par nos Saeli, comme ça on ouvrira la même chose. Allez, vas-y. Donc c'est parti. On va ouvrir donc simultanément. Ou pas. Parce que moi je suis en galère. C'est vrai que après 6 boîtes, j'ai un peu d'expérience sur l'ouverture des boosters Kaladesh. Attends. Non mais tu peux l'exploser, c'est pas grave. Je vais y arriver. Ah, c'est bon. C'est bon, tu arrives. C'est bon, c'est bon. 3 jours après. C'est okay. Bon. Alors déjà, faut le mettre à l'endroit. Oui. Voilà, allez. Ça marchera bien. Alors regarde ça. Au niveau de la lumière pour que ça fasse pas de vieux reflets. Voilà, voilà, nickel. Là, allez, c'est parti. Bon, on y va. C'est bon. Ouais. Allez. Donc, bien sûr, on se départagera sur les éventuels foils et sur, bien sûr, les rares. Oh, donc, on passe aux vertes. On commence toujours, en général, par blanc, noir, bleu, et après, les vertes et les rouges. D'accord. Ou les gros véhicules, ouais, pour le coup. J'ai un véhicule. C'est toujours un peu comme ça pour les communes. Donc, pour les Unko, par contre, les couleurs sont totalement aléatoires. On peut très bien avoir trois bleus, par exemple, il n'y a pas de logique. Comment tu sais que toi t'as commencé les Unko et moi non? Ça veut dire que j'ai une foil. Oh. Tout bêtement. Parce que, en fait, la foil vient remplacer une commune. D'accord. Donc, toi, vas-y, je te laisse mettre sur la table ta petite commune et ça veut dire que moi j'aurai une foil en bonus. Très bien. Ok, donc voilà. Là, alors, chef de la fonderie contre un sabotage incendiaire. Un ange et motif sournois. Sinistre des enquêtes. Ministre sinistre, moi. et donc... Non, mais arrête de tirer ma main. Elle est bien, là. Décalé. Je suis bien, là. Okay. Et donc, la rare, on aura le droit à... Et donc... Oh, yes. Ah, j'ai eu un Planeswalker, tiens. Oh, tiens, un Planeswalker. Non, oh, chouette, ce qu'il faut que tu dises, c'est... Oh, yes, trop cool. Oh, oui, c'est trop cool, j'ai mis ça. et t'es trop proche de la caméra, en fait. Ah, mince. Voilà, c'est mieux comme ça. Bah, écoute, bien joué. Donc, certes, j'ai eu une foil, et toi non, visiblement, mais je pense qu'il y a peu de chances que j'arrive quand même à te vaincre, on va dire. Et donc, ma foil, ce sera une Unko, et c'est Précepteur démoniaque, qui est une bonne petite Unko réédition. Donc, ok. Donc, ne mélange pas ta Nissa avec toutes tes cartes, voyons. Oh, la pauvre petite. Attends, faut que je la retrouve. Ah, je préfère ça. Donc, écoute, je pense que là, sur ce premier booster, en tout cas, c'est toi qui gagne. Ouais. Malgré le fait que j'ai eu une petite foil. Donc, booster suivant. Allez. Merci pour Nissa. Hein. Bah, de rien. Que pour le coup, là, c'est... Ce sera mes cartes, bien entendu. Ouais. Hop. Ce sont tes boosters. Je vais après Karine Chandra, quand même. Oh, on va voir, peut-être que dans celui-là, il y aura quelque chose de mieux. Bon, toujours en galère, comme d'hab, hein, voilà, on change pas une équipe qui gagne. Prends ton temps. Donc, c'est parti. Allez, donc cette fois-ci, on y va. Yes, un petit véhicule. Un coup en même temps, alors ou bien on a tous les deux une foil, ou bien on a tous les deux pas de foil. Voilà, mais comme on a ouvert, j'ai l'impression, beaucoup de communes, je pense qu'on n'aura pas de foil. Donc ça c'était pour l'unco. Second unco. Et attention, la rare, ce sera... Eh bien, donc une rare chacun, donc toi tu auras eu Volonté insidieuse et moi Confrontation fatidique. Donc deux cartes ok sans plus, même si j'ai une préférence pour ma part pour la Volonté insidieuse. Et on n'aura rien de plus dans nos boosters. Non. Donc pour l'instant... Reste dans le troisième. Ah, t'as encore balancé ta rare avec le reste des cartes. Ouais, j'ai tout balancé là. C'est pas toi qui les trie après. Et donc, dernier booster. Troisième booster. Troisième et dernier. Donc, du coup, 5 et 6. Alors, j'ai l'impression que je vais avoir un bon truc. Mais c'est peut-être qu'une impression. En tout cas, je t'attends. Oui, je t'attends. Redis-le encore une fois. Comme dirait Sonic, j'ai failli attendre. Alors c'est parti pour les communes. Allez, go. Toujours
toujours de très beaux petits artefacts. D'ailleurs, s'il y a des communes qui te plaisent, tu pourras te servir, il n'y a aucun souci. Ouais, faudrait que je détaille ça après. Ouais. J'en ai ouvert suffisamment pour pouvoir t'en donner quelques-unes. Et Unko simultanément, donc je pense pas de foil à nouveau dans ce booster. Bref, donc Mécanoptère piégeur contre la taille doigt dessus, donc on verra pas. Pilote vétéran. La petite hyène que t'avais vue dans le deck, rappelle-toi. Ouais. Moi, c'est sur rampante. Une sentinelle, un renégat, et en rare, on aura le droit à... Eh bien, écoutez, des rares très classiques, encore une fois, donc rien de spécial dans ces boosters. Voilà. Donc, bah écoute, et un emblème de Chandra. Un petit emblème. Voilà. Donc, bah écoutez... Ah, j'ai encore balancé la rare. Attends, ouais, c'est bon. T'as vraiment du mal avec ça. Donc, bah, pour ma part, j'ai eu un petit précepteur démoniaque en foil, mais de ton côté, t'as eu une Lissa, donc je pense que là, on peut te déclarer vainqueuse sans problème de ce petit duel. Donc voilà, un petit booster, un petit duel tranquille avec les quelques boosters Kaladesh qui nous restaient. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu, il y a une Lissa. Hein. C'était sympa. Du coup, je vous dis, pour ma part, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.